Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Koh-Lanta. Et oui, parce que Koh-Lanta reprend déjà j'allais dire à la rentrée, entre guillemets, quand moi je reprends le boulot, techniquement le lendemain, paf, Koh-Lanta reprend. Donc globalement, je suis en vacances jusqu'au 19 août, donc la réouverture de. Alors, je ne sais pas si c'est de toutes les universités en France ou du moins de la mienne où je travaille. Et du coup, bah, le lendemain, il y aura déjà le premier épisode de Koh-Lanta. Et ça me paraît. En fait, j'ai l'impression de ne pas encore avoir eu de manque de Koh-Lanta. C'est un peu bizarre à dire. Mais la saison précédente, elle s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Attendez, je vais regarder vite fait. Quand est-ce qu'est sortie la dernière vidéo sur Koh-Lanta? D'ailleurs, je sais même plus qui a gagné la dernière saison. Je suis totalement perdu. Alors, affichez votre chaîne. Hop, tac. Je me fais fermer ma bouche à moi-même. J'ai un commentaire sur une vidéo qui est totalement incompréhensible. Hein, parce que j'ai fait une vidéo sur une position dans l'industrie de la K-pop qui, en gros, est juste une position, mais hop, toi t'es beau, t'es belle, hop, on te met là. Et du coup, comme je disais, pour moi c'est un truc un peu dérangeant parce que la beauté du public et tout ça, c'est plutôt subjective. Et du coup, bah, ça fait que. Chacun a des goûts différents. Et là, j'ai un commentaire qui dit la beauté n'est pas subjective, c'est comme le goût des nourritures. C'est pas subjectif. Donc, en gros, la personne nous dit que, en gros, voilà, si la société te dit que t'es censé être beau, enfin, que les gens doivent te trouver beau, alors en gros, t'es beau. Si la société te dit les fraises, c'est bon, c'est bon. Si la société te dit que c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Enfin, bref, je comprends pas son commentaire. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, dernière vidéo, de toute façon, ma dernière vidéo, enfin, à part celle-là, Akinator, un tournoi finaliste. Attends, ça peut pas être. Attends, vraiment, la dernière vidéo que j'ai sortie sur Koh-Lanta, c'était il y a. En juin? Non, attends, ça s'est pas terminé en juin, Koh-Lanta. Ils vont quand même pas publier une nouvelle saison 2 mois après la fin de la précédente, quand même. Non, ça c'est les All-Stars. La tribu maudite, c'est celle qui va débuter là. Ah si, mais pourquoi ils font ça? Parce que Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, gagnés par Léa. Ah oui, Léa, maintenant je me souviens. D'ailleurs, une des rares championnes. Enfin, une des rares personnes qui a gagné que je soutenais depuis quasiment le début. Mais qui a été diffusée du 13 février au 4 juin 2004. Donc, ouais, non, ma dernière vidéo, elle n'est pas sortie en retard. Et là, prochaine saison, à partir du 20 août. Genre vraiment. N'a que 2 mois et demi d'écart entre les deux saisons. Et en fait, c'est pour ça qu'en vrai, j'ai pas ce sentiment de manque sur Koh-Lanta. Je trouve ça trop bizarre qu'ils aient fait 2 saisons aussi proches. Surtout que, encore, ce serait un All-Star complet à la limite. Je comprendrais, mais 2 mois, je trouve que c'est quand même très très léger, 2 mois et demi même. Je trouve que c'est très léger. Alors, 1 an, c'est vrai que c'est très long. Mais au moins, quand ça reprend, on a eu toute cette attente et on est content de reprendre. Mais alors là, 2 mois et demi, tu m'étonnes que j'ai pas encore eu le temps d'avoir un manque. Même Pékin Express qui s'est terminé très certainement vers le mois de mai. J'ai toujours pas de comment dire. D'attente d'une nouvelle saison de Pékin Express. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Et puis, quand la prochaine sortira, si elle sort l'année prochaine, bah au moins là, j'aurais commencé à avoir de l'attente et c'est cool.
Après, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous préférez attendre un an et vraiment avoir de l'attente, ou d'un moment de dire putain, c'est quand que ça reprend, j'ai hâte de revoir Koh-Lanta, ou est-ce que vous, qu'on vous balance des saisons comme ça à la chaîne, est-ce que vous aimez bien ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que moi, une saison, je la savoure mieux si j'ai vraiment une grosse attente. Alors après, ça peut aussi faire que bah, la déception, si la saison est moins bonne, est beaucoup plus grande. Que là, bah, comme j'ai aucune attente, la saison arrive beaucoup trop vite, bah, du coup, effectivement, la saison sera peut-être une surprise et j'aurai peut-être moins de déception puisque bah, c'est une... comment dire? Puisque ce sera une saison que j'aurais pas spécialement attendue, puisqu'elle arrive beaucoup trop vite à mon goût. Mais bon. En tout cas, on passe à la vidéo. Je suis désolé, l'intro est un peu longue, mais c'est juste que dans ma tête, quoi, la saison précédente était encore très récente, donc c'est pour ça que ça m'a perturbé. Bref. Du coup, j'enregistre mon écran et en gros, on va voir un peu la présentation. Des comment dire bah, des nouveaux aventuriers de cette saison voilà qui s'appellera la tribu maudite. Tac. Donc on commence, premier aventurier, Frédéric, du coup 35 ans, restaurateur qui vient des Hauts-de-Seine. Donc il est le grand gagnant de l'édition de 2023, le feu sacré, genre en général entre le moment du tournage et la diffusion, il y a une petite année d'écart à peu près. Le temps de tout monter et tout, et d'attendre des droits le moment de diffuser, quoi. Il est reconnu pour son sens aigu de la stratégie, mais tout en sympathie. Résistant sur le camp, habile sur les épreuves, Frédéric avait su se faufiler avec agilité jusqu'en finale où il remporta la mythique épreuve des poteaux, puis le sacre final. Avec son gain, cet ancien directeur commercial est retourné à ses premières amours, une petite faute, hein, à ses premiers amours, et va ouvrir un bar. Ok, bon, comment on dit, anonymiserai la personne qui a posté, même si globalement sur un groupe Koh-Lanta, mais quand même. Et par contre, les commentaires, c'est le seul dont j'ai lu les commentaires, mais ils sont horribles, hein, c'est que, quasiment que, des mauvais messages. Hein. Tu as déjà gagné, laisse la chance aux autres. Ok, en attendant, ça dérange pas quand c'est Clémence, Bertrand ou. Ou ces genres de mecs. D'ailleurs, Frédéric, j'ai très peu de souvenirs de son aventure, donc je vois pas pourquoi les gens l'aiment pas. Hop, toi dégage. Encore de la stratégie, trop stratège. Et là, il est déjà gagné, à mon avis, les autres aventuriers vont se méfier, moi c'est ce que je ferai. Sauf que non, les gens ne vont pas se méfier. Les gens, ils vont voir un aventurier qu'ils ont très certainement aimé suivre à l'écran. Donc ils vont tout simplement être contents. Hein. Bien, en plus, ça peut. Ce que je trouve c'est que ça peut biaiser le jeu. Hein. Pourtant, Koh-Lanta, ils ont bien vu que ça avait biaisé le jeu lors de Koh-Lanta. C'est comment l'île des héros, hein, avec Sam qui était méga fan de Théora et tout. Et qui très certainement aurait joué différemment si ces héros de Koh-Lanta n'étaient pas présents. Comment il s'appelait? Ahmad, je crois que c'est ça, Ahmad, Ahmed, Ahmad, aurait très certainement aussi joué différemment s'il n'y avait pas de héros qui est arrivé en mode bon bah allez, on est des anciens, on va tout défoncer. Très certainement, bah, Kamad aurait joué différemment aussi, et aurait pas sacrifié une grosse tête dès le début. Bref, moi, ces saisons, mi-ancien, mi-nouveau, personnellement, je suis pas fan du tout. Enfin, le concept, plutôt, je suis pas fan. Par exemple, l'île des héros était une très bonne saison. On a eu des très bons retours de situation et tout. Mais dans l'idée, je suis pas fan. Parce que, bah, déjà. Sur les nouveaux, tu biaises un peu leur aventure en mettant des anciens, parce qu'ils vont être en mode ah ouais, mais c'est des anciens, donc forcément ils vont les mettre sur un piédestal. Il y en a qui vont avoir plus de difficultés à les éliminer, machin. Bon, moi j'ai un peu de mal avec ce délire-là, mais bon, ça n'empêchera pas que la saison pourra être très bonne. Voilà, on a pourquoi il rejoue s'il a gagné pour les thunes. Il prend la place d'un autre candidat, c'est pas normal, j'ai décidé de t'éliminer. Alors déjà, ferme ta gueule, hein, t'es pas dans l'aventure donc tu peux pas l'éliminer. Mais je vois pas pourquoi ça fait autant de débats, parce que bah ok, le gars il a déjà gagné, et alors?
Il y a plein d'anciens aventuriers qui ont déjà gagné, qui sont venus dans des All-Stars. Je vois pas en quoi c'est dérangeant, quoi. Surtout que s'il est là, c'est très certainement qu'il a été approché par la production et puis qu'il a accepté de revenir. Je veux dire, c'est normal. L'autre, il vient faire quoi, lui? Je ne le supporte pas. Idem pour moi, insupportable. Je vois pas ce qu'il a d'insupportable. Je pense que c'était pas le gars que je soutenais le plus dans son aventure, mais quand même, pourquoi il est là, lui, c'est un pourri. Allez, hop, on y va. En ce moment, qu'il dégage assez vite, tu vas l'éliminer au premier tour. Alors, non, il sera jamais éliminé au premier tour. Il y en a, j'ai envie de leur répondre, juste de leur mettre des baffes. Pourtant, je suis pas le grand fan de Frédéric, mais quand même. Le pauvre, il n'aura plus de Tania à mettre à chaque conseil. Ah, en même temps, si les gens étaient fans d'une merde comme Tania, alors. J'ai rien contre Tania spécialement, mais vraiment, Tania, elle était nulle et les gens sur les réseaux sociaux, ils la supportaient surtout parce que c'était une meuf vraiment mignonne et c'est tout, quoi. Parce que vraiment, elle a rien montré dans Koh-Lanta. Pas normal qu'il laisse la place, hein, qu'il laisse la place au nouveau. Et il y en a, je crois, qui comprennent pas le concept de certaines saisons. Bonjour les fans de Koh-Lanta, il ne peut être éliminé de suite. Frédéric, Hugo sont présents pour mener chacun une équipe en ayant un rôle de chef. Bref, on verra bien. Frédéric le branleur joyeux. Bref, à part. Bon, je vais pas dire son blaze, mais qui est toujours très positif sur Facebook. Vraiment, il y a zéro commentaire positif sur lui. Je comprends pas. Je comprends pas. D'ailleurs, je pense que pour Hugo, je suis quasiment sûr, on va voir juste après que les commentaires seront très différents. Alors que le mec est aussi un ancien gagnant de Koh-Lanta. Ensuite, Hugo, 42 ans. Regardez, déjà lui, que des cœurs, des pouces, aucun truc négatif. Regarde, un de mes chouchous, un type bien. Déjà, ça commence bien. Le mec est aussi un ancien gagnant et lui, il se fait pas insulter. Ça n'a aucun sens. Hugo, 42 ans, Guy naturaliste. Hein. Hugo, le phénix de Koh-Lanta Légende, revient pour la troisième fois, dont une fois il a gagné. Ensuite, Koh-Lanta la Légende, voilà, il a perdu. Puis là, sa troisième. Par contre, là, ça dérange plus personne. L'homme de tous les défis qui a quasiment résisté à tout lors de sa dernière aventure, à presque 40 jours de solitude sur l'île des bannis en Polynésie, il avait alors remporté 6 duels, 2 immunités et l'épreuve d'orientation, mais il n'avait pas été choisi pour la finale. Finale qu'Hugo avait déjà connue et remportée en 2012 en Malaisie. Débarqué dans Koh-Lanta à tout juste 30 ans, Hugo en a désormais plus de 40, son fils a grandi, il est devenu guide naturaliste, toujours au plus près de la nature. Un de mes chouchous, il y en a d'autres candidats. Ah, au moins un. Alors, je dis pas qu'il faut de la haine, mais quand même que les gens soient logiques. Hein. Si tu veux pas voir Frédéric qui est un ancien gagnant, tu devrais pas vouloir voir Hugo qui est aussi un ancien gagnant. Encore un qui rejoue pour le pognon, je t'élimine aussi. Mais alors, le Alain, il a que le pognon en tête, hein, comme si les mecs ils revenaient que pour ça. Mon chouchou, il adore les aventures en tout genre, j'espère qu'il ira le plus loin possible. Tu peux le faire Hugo de Koh-Lanta, je crois en toi. Tu peux juste l'appeler Hugo, hein, il n'y en aura qu'un seul à mon avis. Surtout des gens qui s'appellent Hugo avec un Hugo sans H, je pense qu'il ne doit pas en avoir énormément en France. Et tout comme pour Fred, ils ne vont pas se méfier de lui, je ne vois pas aller très loin ni Fred ni lui, mais qui sait. Alors c'est vrai que Hugo étant une bille en stratégie, effectivement je vois mal aller loin. Si on compte que la stratégie, par contre, le fait que ce soit un gars qui est vraiment très sympathique et tout ça, je pense que. Et puis un ancien gagnant qui a fait pas mal de grosses victoires sur les épreuves, je pense que les gens ils vont juste être en mode comme Sam. En fait, je pense que Frédéric et Hugo, les gens ils vont juste regarder comme ça en mode ah, nos héros de Koh-Lanta, mais c'est pas forcément les gens qui préféraient. On préférait, nanana, ils se croisent tous, qui va se. Bref, le gars a quand même très très peu de commentaires négatifs. Bon, certains qui sont assez logiques, hein, liés au fait que ce soit un ancien gagnant. Mais bon. En tout cas, personnellement, je suis quand même plus content du retour de Frédéric que celui d'Hugo. Parce que bah, déjà, la saison de Frédéric, je l'ai plutôt bien aimé. Même si il n'y avait pas que des choses hyper intéressantes, les saisons d'Hugo, bah, sa première saison, je ne l'ai pas du tout aimée. C'est partie des rares saisons que j'aime pas. Koh-Lanta la légende, j'ai bien aimé, mais pour moi, Hugo a été très mauvais dans cette saison.
J'arrête pas de me répéter, les gens, à mon avis, il y en a qui doivent me détester pour ça, mais Hugo a hyper mal joué quand même. Le mec, il s'est fait éliminer au bout de quelques jours parce que il avait aucun social, il a été tellement mauvais en stratégie, rien vu venir, il s'est fait dégager direct. Et après, les gens, ils l'adorent juste parce qu'il a survécu sur l'île des bannis, mais qui vous dit qu'il n'était pas resté beaucoup plus longtemps dans Koh-Lanta, la légende, enfin sur le camp et non sur l'île des bannis, qui vous dit qu'il serait pas bien faire des stratégies, des trucs comme tout le monde? Parce que Frédéric, les trois quarts des trucs qu'il insulte, c'est parce que c'est un stratège. Mais je vois pas en quoi c'est dérangeant. Bref. En tout cas, voilà les deux hommes qui seront très certainement les leaders des futures équipes. Enfin, du moins, on verra bien quand on aura des vrais teasers. On va maintenant parler du coup des 22 aventuriers hein, qui vont faire l'aventure. Là, je vais pas regarder les commentaires pour les autres. Je voulais juste voir les commentaires de Frédéric et Hugo, un peu comment leur retour était ressenti. Après les autres, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on va juste lire un peu les descriptions. Et voilà. Donc, Alexandre, 33 ans, ostéopathe de Paris. Ce jeune père de famille, 33 ans, ostéopathe, est un joueur qui s'assume. Donc, techniquement, futur stratège. Alexandre ne cache pas non plus sa grande confiance en lui, faisant de son arrogance un moteur. Pardon. Pour lui, Koh-Lanta est un grand terrain de jeu et il espère bien gagner le titre du meilleur stratège de tous les temps. Alors, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que tous ceux qui se vendent comme des gros stratèges en général, c'est un peu raté. Et alors là, je sais pas si c'est la production qui fait des portraits ou si c'est eux qui donnent des informations et du coup le portrait en est fait avec, je sais pas trop. Ou si les informations qu'on voit ici sont également des informations qu'il y a dans les portraits vidéo, parce que j'avais pas partagé les portraits vidéo, on sait ce que Koh-Lanta fait avec les gens qui partagent leurs extraits. Hein. Même quand tu mets juste des photos, hein, ça peut être problématique. Techniquement, bon là, en plus c'est des photos aussi, ça peut poser problème, mais bon, c'est toujours mieux que de mettre une vidéo de estampillé TF1. Quoi. Parce que là au moins il n'y a pas de logo Koh-Lanta ni TF1, donc bon, je peux être plus ou moins tranquille. Mais on sait que dans les. Là, si le mec il veut se prétendre le meilleur stratège de tous les temps, du coup, déjà, il va falloir qu'il joue réellement la stratégie, puisqu'il y en a plusieurs qui se disent oui, moi je vais être stratège, et qui au final, bah, dans le jeu, bah, ne sont pas vraiment stratèges, ne jouent pas le truc. Voilà. Et en plus, se dire le meilleur de tous les temps, c'est-à-dire qu'il faut que tu bats des stratégies qui ont été incroyables les années précédentes. Donc je veux dire, tu places un espoir chez les fans de stratégie qui risquent bah, de lui tomber dessus s'il ne fait pas quelque chose d'incroyable en stratégie. Donc moi j'adore la stratégie, j'en attends pas énormément de lui, mais j'espère quand même qu'il jouera, mais ça fait un peu peur. Harry, 51 ans, chef d'entreprise, Haute-Seine dans le 92. Courtois et habile, Harry a un grand sens du relationnel et maîtrise de l'art de communication. Ce chef d'entreprise aime se lancer des défis et fait fructifier sa société d'événementiel depuis plus de 20 ans. Okay. Conscient qu'il n'est pas le plus grand des sportifs, Harry compte bien mener une stratégie subtile et discrète dans l'aventure. Harry a aussi à cœur de prouver à ses filles qu'on peut arriver à ses fins en restant droit dans ses bottes. Alors, rester droit dans ses bottes, extrêmement peu d'aventuriers de Koh-Lanta peuvent dire qu'ils sont restés droit dans leurs bottes. Nanana. Après, grand sens du relationnel, maîtrise de la communication, ça me plaît bien, dans le sens où ça peut donner une sorte de Mohamed en 2005, qui, grâce à son côté social, avait réussi à garder une équipe soudée quasiment du début à la fin de la saison. C'est vraiment incroyable, il n'y a que Clémence qui l'a trahi à la fin, mais les gens qui ont un très bon social, en général, ils peuvent aller assez loin. Et s'entourer de gens autour d'eux, on l'a vu avec Amri la saison précédente. Donc hâte un peu de voir comment il jouera. Cassandre, 23 ans, écrivaine du Rhône. Cassandre est une toute jeune écrivaine, pétillante et épanouie. À 23 ans seulement, elle s'apprête à publier son sixième roman. Et eh bien j'aimerais bien savoir ce qu'elle écrit comme style de texte. En plus, moi, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai publié, enfin, programmé pour vendredi qui vient, le premier épisode d'une petite série d'histoires que je vais sortir sur Wattpad.
Voilà, parce que je n'ai clairement pas les moyens de publier des romans, ça coûte beaucoup trop cher pour l'instant. Mais c'est un rêve que j'ai un jour de publier un roman. Bref, de naturel optimiste et sensible, Cassandre ne se sent pas toujours prise au sérieux à cause de son jeune âge. Bon, 23 ans, je veux dire, c'est plus non plus jeune jeune. À Koh-Lanta, elle compte bien surprendre ceux qui la croient naïve et fragile. La jeune lyonnaise veut être là où on ne l'attend pas. Koh-Lanta est aussi pour elle un rêve de petite fille, l'occasion de vivre une aventure ailleurs que dans les livres. Bref, en tout cas, quand tu vois ses bras, on sent que c'est quand même quelqu'un d'assez sportif. Hein. Parce que, je veux dire, même moi qui fais pas mal de sport, je pense que ses bras, ils font deux fois les miens. Donc, comme on a vu, c'est quelqu'un qui doit pas que passer du temps à écrire des romans. Hein. Mais personnellement, ça peut être un profil intéressant à voir ce que ça donnera dans l'aventure. Hein. Pour l'instant, à part le fait qu'elle est écrivaine, parce que moi j'aime bien écrire des histoires, voilà, j'aime bien, mais bref. Cécile, 34 ans, Haute-Savoie, 74. Cécile est une hôtesse de l'air qui ne passe pas inaperçue, spontanée et directe, elle se soucie un peu du regard des autres. Non, elle se soucie peu du regard des autres. C'est plutôt pas mal. Après, si ça donne une Julie Bis, non merci. Tirée à quatre épingles, elle sait en jouer avec humour, un atout qu'elle veut mettre au profit sur Koh-Lanta. À profit sur Koh-Lanta. Si je ne dis pas copine comme il faut, ça va pas le faire. Avec son tempérament de feu et sa liberté de penser, elle compte bien aller le plus loin possible. Attends, j'ai envie de regarder un truc. Non, c'est bon. Je me suis dit quand même, si c'est la seule à avoir qu'un seul commentaire, c'est un peu triste. Et j'ai eu la même réaction. Une personne qui dit à Chantra, les princesses, elle aussi, avec son côté, elle sait jouer avec humour, un atout qu'elle veut être à profit sur Koh-Lanta. Tout de suite, pense à Julie. La seule personne qui a mis un commentaire aussi pensait à Julie, donc j'espère pas. Je n'espère pas. Mais bon, le profil a l'air intéressant. On verra ça très bientôt. Cécile, oh là, attends, elle s'appelait pas déjà Cécile celle-là? Oh putain, avec deux Céciles, ça va encore être chiant. Ils peuvent pas, à Koh-Lanta, se dire, quand même, il y a des milliers, bah, peut-être des millions de noms, avec tous les variants de certains noms qui existent, comme les Philippe, où tu peux écrire avec deux L, deux P, un L, deux P, un P, deux L, bref, un P, un P, un L, ce serait très moche, tu peux l'écrire à l'espagnol, Felipe, bref. Je prends l'exemple de Philippe, mais il va dire il y a plein, plein, plein de noms extrêmement, enfin qu'on peut écrire de façon différente. En plus, moi, je travaille au bureau des inscriptions. Alors, je peux vous dire que j'envoie des noms revisités. Ça fait très mal aux yeux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Thibaut écrit TYBO. Ça m'a fait super mal aux yeux de voir ça. Mais bref, ce qui fait qu'avec tous les noms qui existent de toutes les cultures, il doit y avoir, je pense, pas loin d'un million de prénoms qui doivent exister différents. En plus, avec les noms composés, les machins, enfin bref, je veux dire que des noms composés, j'envoie des trucs, c'est tellement moche et horrible, ça fait peur. Mais tout ça pour dire qu'ils ne peuvent pas se dire, on a une saison, on n'a que 20 à 24 aventuriers, on prend 20 à 24 noms différents. C'est pas compliqué, à chaque fois on se retrouve avec des gens qui ont plusieurs noms et après c'est une galère. Là on a deux Cécile, avant on avait deux Léa, je crois que c'est déjà arrivé qu'on ait. Je sais plus si c'est déjà arrivé qu'on ait deux Sébastien, non peut-être pas deux Sébastien, je crois mais je crois que c'est dans les All-Stars, on a eu plusieurs Philippe. Mais bref, faut qu'ils arrêtent de mettre des gens avec plusieurs noms. Alors je suis contre aucune des deux Cécile, hein. J'ai rien contre ces deux femmes-là, mais c'est juste qu'après c'est une galère pour s'y retrouver. Et c'est un peu chiant quoi. Parce que bon, quand il faut les réseaux sociaux, bon, t'as les photos, machin, mais moi, souvent, le mardi, je regarde Koh-Lanta, je fais ma vidéo, le lendemain, quand je vais au sport, bah, des fois, j'en parle avec des gens. Sauf que, bah, par exemple, là, sur la saison précédente, quand on parlait de Léa, bah, à chaque fois, on était en mode, oui, mais de quelle Léa tu parles? De la sportive ou de celle des jaunes qu'on voit quasiment pas au début? Bref. Et ça, c'est un peu chiant quand tu peux pas avoir juste un référent direct avec un seul nom et tout ça. Mais bon, ça n'empêchera pas d'apprécier non plus leurs aventures. Donc, Cécile Cantanant, professeure de Pilates, Haute-Savoie, Haute-Saône plutôt. Cécile a toujours le sourire affiché optimiste à toute épreuve. Maman de deux adolescentes, elle est épanouie dans sa vie de famille, mais a besoin de se lancer sans cesse de nouveaux défis. Depuis 3 ans, Cécile pratique le tir sportif.
autodidacte et acharné, en moins d'un an et demi, elle a été sélectionnée pour le championnat de France. Bon, c'est incroyable, c'est. Ouais, incroyable. Koh-Lanta est un rêve de longue date puisqu'elle y postule depuis 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire qu'elle y postule depuis la saison de Romuald. Ou du moins, si ça fait 20 ans, du coup, quand elle a postulé, c'est-à-dire qu'elle a postulé, elle aurait pu apparaître dans la saison de Clémence, la première saison gagnée par Clémence. Oh, truc de fou. Bref, profil qui peut être intéressant, on verra bien. Prof de pilates, déjà, physiquement, elle devrait bien s'en sortir, parce que les gens qui commencent à être dans la quarantaine, cinquantaine, en général, on sait qu'ils font pas long, long feu. Donc, c'est plutôt bien. Charlotte, 28 ans, médiatrice jeunesse en Belgique. En espérant que ce sera une. Qui représentera mieux la Belgique que les derniers qu'on a eu à Pékin Express. Impulsive et pétillante, Charlotte ne vit que pour les voyages, la boxe thaï et son métier de médiatrice éducative. Alors, elle, ouais, bon, elle a quand même des sacrés bras aussi. Cette jeune Belge surnommée le courant d'air, ok, par sa famille, n'a pas peur, n'a pas de temps à perdre et ne se pose jamais. Féminine mais baroudeuse, ok, je vois pourquoi un mais. Je vois pas ce qu'il y a de comment dire, ce qui empêche d'être féminin et baroudeur, bref. Organisée mais toujours prête pour l'imprévu, Charlotte ne dit jamais non à de nouvelles aventures. Koh-Lanta est sans aucun doute le plus gros défi de sa vie. Bon, profil qui peut être intéressant, à mon avis, elle va être dans le mode sportif, hein, ce serait pas étonnant. On verra ce que ça donne. Emmanuel, 45 ans. Je me demande du coup si c'est pas de la doyenne. Hein. Je me souviens plus de l'âge de l'autre personne qui avait, mais je crois que c'était 41 ans juste avant. Responsable qualité Charente. À 45 ans, Emmanuel est une maman divorcée, drôle, dynamique et très proche de son adolescent de 16 ans. Véritable touche-à-tout, elle passe de l'accordéon au triathlon en toute décontraction. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir aussi un physique de sportive aussi. Complice avec sa sœur, pour elle, la vie est un jeu et les deux femmes adorent. Te challenger sur des caps ou pas caps. Emmanuel vient sur Koh-Lanta pour montrer qu'elle est cap. J'aime bien les gens qui, quand ils vieillissent, ils gardent un esprit jeune. Voilà. Moi, avec mes potes, bon, on apprend. Il y en a qui ont passé la trentaine. Moi, je vais bientôt les avoir l'année prochaine. D'autres qui auront la trentaine dans 2 ans. Mais c'est vrai qu'on garde quand même un esprit assez jeune malgré notre âge. Et franchement, je trouve ça cool. Parce que les gens, quand ils obtiennent un certain âge, qu'ils se prennent trop au sérieux et qu'ils deviennent des vieux cons, là, non merci. Fabrice, 40 ans, directeur de centre équestre dans l'Ardèche. Fabrice est directeur de son propre centre équestre depuis 15 ans. Il gère 160 cavaliers et plus de 60 chevaux. Pardon, j'ai des haut-le-cœur une fois. Travailleur acharné, l'Ardéchois ne lâche rien et ne mâche pas ses mots. Il aime relever de grands défis et Koh-Lanta est pour lui un, oh là là, un rêve auquel il postule depuis 23 ans. Donc il a postulé techniquement pour entrer dans la saison 2. Ouais. Mentalement, physiquement, Fabrice est prêt. Et il a le mort aux dents. Oh, le jeu de mots pourri. Oh là là. J'espère que ça vient pas de lui. Mais pareil, il a quand même des sacrés bras. Hein, donc. Bon, en tout cas, profil peut être sympa, intérêt à faire attention parce que les grandes gueules en général, on sait que ça dure pas longtemps s'ils sont pas bien entourés. Oh la vache, les bras qu'il a! Ces bras, ils font au moins 3 fois les miens. Hein. Moi, j'ai vraiment des tout petits bras à côté de ça. Gustine, 26 ans, maître nageur en Suisse. Ce jeune Suisse a une passion dans la vie, la nature. Gustine peut passer des journées en autonomie totale avec la montagne à se débrouiller avec ce qu'il trouve indépendant, il n'aime pas être dirigé. Alors, ça paraît, il faudrait qu'il fasse très attention, sinon il va dégager très vite. Maître nageur depuis plusieurs années, Gustine est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Ça, c'est très très bon pour les épreuves, surtout les épreuves par équipe, qui lient souvent la terre et l'eau. Gustine est sûr de lui, il est persuadé d'avoir tous les atouts pour aller très loin dans Koh-Lanta. C'est vrai que son profil en fait quelqu'un. D'extrêmement intéressant pour aller loin, même si le côté indépendant il n'aime pas être dirigé, s'il n'apprend pas à s'adapter aux autres, restera pas longtemps le pauvre. Ilyès, je ne sais pas que ça se prononce comme ça, 23 ans, étudiant en ingénierie, Saint-Denis, enfin Seine-Saint-Denis.
23 ans, il y est, c'est un aventurier dans l'âme. À côté, ses études d'ingénieur en électricité, il est toujours partant pour de nouvelles expériences. Pour Ilias Koh-Lanta, c'est le passage obligé pour gagner ses galons de grand aventurier. Il est prêt à la Robinson Crusoe, à vivre à la Robinson Crusoe. Son rêve le plus cher marque l'histoire de Koh-Lanta et fait fierté de sa famille et de ses nombreux amis. Bref, pas hyper intéressant, enfin dans le sens où on découvre pas trop de qualité ou de choses qu'il pourrait montrer dans l'aventure, mais à voir ce qu'il donnera. Jacques, 38 ans. Danseur dans la Charente-Maritime, danseur et comédien, Jacques est un artiste complet, extraverti et plein d'énergie, il reste positif et rayonnant en toutes circonstances. Pourtant, à 9 ans, il était. Ah bah ça, ils vont. Je pense qu'on va y avoir le droit maintenant à chaque saison de l'aventurier qui a vécu un drame dans son passé. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si maintenant faut vivre des drames pour avoir un peu plus de chances de passer à Koh-Lanta, c'est quand même un peu triste. Hein. Pourtant, Neuro a été victime d'un grave accident de voiture dans lequel son père a perdu la vie et Jacques est longtemps resté blessé à la jambe. À force d'espoir et de détermination, Jacques a dépassé ce drame et est devenu un danseur apprécié dans les plus grands cabarets. Koh-Lanta est pour lui une nouvelle opportunité de se dépasser, il redoute la nature hostile, mais son mental est à toute épreuve. Alors, profil qui a l'air intéressant et qui, s'il n'est pas stratège, le côté. En fait, c'est ce truc qui me dérange en fait avec ces profils-là, de ceux qui ont vécu quelque chose de grave dans le passé. C'est que s'ils sont sympathiques, tout de suite les gens vont vouloir les voir gagner, vont dire oui, mais ils ont vécu des choses terribles dans leur passé, donc il faut qu'ils aient, entre guillemets, un bon karma en gagnant Koh-Lanta. Et en vrai, ben moi je suis pas trop d'accord avec ça, parce que tout le monde a vécu des choses très difficiles dans leur vie. Là, lui, il a perdu son père, c'est extrêmement triste, mais je veux dire, moi j'ai perdu le mien. Et c'est pas pour ça que ben, voilà, je vais vendre ça pour m'en sortir, quoi. Bon, après, lui, il y a aussi le fait qu'il a été à moitié handicapé pendant un moment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous vécu des choses qui nous ont impactés, qui ont été très dures pour nous tous. Et déjà, c'est déjà un peu salaud de la part de la production de dire, bah tiens, lui, il a un profil encore plus terrible que les autres, donc on va le prendre. Je trouve que c'est quand même pas ouf dans la sélection. Mais surtout, bah voilà, ce passé terrible, bah, à partir du moment où le gars il est très cool et tout, bah voilà, ça va passer crème et les gens vont l'adorer. Avec Maïssa, au début, on était un peu là-dedans avec Maïssa. Après, bon, quoi, il a commencé à faire plein de stratégies, les gens se sont mis à le détester. Mais c'est vrai que sa tragédie, au début, a plutôt joué en sa faveur auprès du public, je trouve. Et je sais plus qui c'est qu'on avait eu avant Maïssa, parce que Maïssa, c'est pas le premier, je crois, à avoir ce genre de profil. Donc bref, tout ce que je veux dire, c'est que moi, dans le principe, sélectionner des aventuriers pour avoir vécu des tragédies, je trouve ça très très malaisant, mais ça n'empêchera pas que l'aventurier peut être vraiment très très cool à suivre. Lola, 25 ans, kinésithérapeute de la Martinique. Je crois que c'est quand même assez rare hein, qu'on ait des gens, des dom-toms. À seulement 25 ans, Lola, c'est exactement ce qu'elle veut, n'hésite pas à le dire, ni à le faire. Avec son va-grave, son fort caractère, Lola dégage une grande confiance en elle. Kinésithérapeute du sport et préparatrice physique, elle est passionnée par les expériences extrêmes, elle cherche sans cerisse à se dépasser. Elle voit Koh-Lanta comme la cerise sur le gâteau de toutes ses aventures, un moyen d'enfin aller au bout d'elle-même et de voir s'il est possible d'atteindre ses limites. Ouais, bon, en gros, ça va être profil sportif. Alors ça, c'est vraiment les sportifs, enfin les sportifs. Les profils que moi, personnellement, je n'aime pas. Après, peut-être qu'elle aura une mentalité autre que juste mettre le sport en avant. Mais c'est vrai qu'à prime abord, comme ça, c'est pas mes profils préférés. On verra avec le temps. Marie, 29 ans, vendeuse d'actions sur les marchés asiatiques. Putain, c'est très précis quand même. À Paris. Un métier à responsabilité, mariée et déjà mère. Bah, 29 ans, c'est un. Ah oui, non, 3 enfants. Parce que vous savez, déjà mère, je me suis dit, bah, 29 ans, c'est l'âge que j'ai. 29 ans, c'est un âge, quand même, où avoir des enfants, c'est quand même pas trop mal, je trouve, si t'as déjà fini tes études, que t'es dans un bon métier. Mais évidemment, j'avais pas vu le 3 jeunes enfants, effectivement. 3 jeunes enfants à 29 ans. Ça fait, enfin, pour moi, ça fait beaucoup parce que moi, mon rêve, ce serait d'avoir que 2 enfants. Après, 3 pour moi, ça commence à faire beaucoup. Après, si elle est heureuse comme ça, bah, c'est très bien.
Du coup, Marie est une femme pressée. Bon, en même temps, c'est. J'allais dire, en même temps, c'est une Parisienne. Pour tout mener de front, rien n'est laissé au hasard, l'organisation à la maison, comme au travail, est millimétrée. Marie est une travailleuse infatigable, mais aussi une aventurière dans l'âme. La jeune Parisienne a vécu 10 ans à l'étranger avant de fonder sa famille. Avec Koh-Lanta, elle veut renouer avec le voyage, mais surtout avec l'aventure, avec un grand A. Ouais, quand même, avoir vécu 10 ans à l'étranger, c'est quand même. Faut y aller. Moi, j'en serais incapable de partir aussi longtemps loin de ma famille ou de mes proches amis, personnellement. Donc, vraiment, beaucoup de respect pour elle. Du coup, profil qui peut être sympa à voir ce que ça va donner aussi avec l'émission. Maude, 38 ans, responsable commercial Val-de-Marne. Après une première vie de gymnaste de haut niveau, bah oui, forcément. Celui-là aussi, fallait qu'on se le tape, le profil gymnaste de haut niveau, enfin gymnaste, sportif de haut niveau. Jusqu'à être remplaçante pour les JO de 2004, Maude vit sa deuxième vie, celle de maman de deux enfants. Hyper dynamique, elle veut sortir de son petit confort familial pour retrouver l'adrénaline de la compétition dans Koh-Lanta. C'est une occasion pour elle de montrer à ses enfants de quoi elle est capable, de quoi elle est capable leur maman de 38 ans. Hein. Eux qui ne l'ont jamais vue sur un podium, elle veut leur offrir la victoire et le titre de meilleure aventure. Attends. Jusqu'à être remplaçante pour les JO de. Ok, oui, elle a participé aux JO. C'est con qu'ils disent pas si elle a gagné un truc ou pas. Bref. Profil plutôt intéressant. Pareil, en termes de sélection, j'ai beaucoup de mal avec cette idée de mettre des sportifs de haut niveau. Ça en fait pas des mauvais candidats, mais je n'aime pas trop ça. Parce qu'en général, c'est ceux qui ont vraiment le plus à l'esprit sportif, 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 avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sportif. Hein. Quand on voit mon physique dans les vidéos, on dirait pas, hein, mais je fais quand même du sport 3 fois par semaine. Bon, là, c'est l'été, c'est les vacances, voilà, je fais pas de sport. Mais là, pendant un an, j'ai quand même fait. Du multisport où on a testé pas loin d'une dizaine de sports dans l'année, dont des sports très sportifs, enfin très physiques. J'ai fait de la boxe française pendant un an qui est méga physique. Franchement, je crois que c'est le sport le plus physique que j'ai fait de ma vie pour l'instant. Et ensuite, j'ai fait une moitié d'année de la natation, une moitié de l'année du golf. J'ai donné quelques cours à des amis de courses d'orientation, bref. En termes de sport, je me suis bien donné cette année. Et à la rentrée, pareil, je vais réempiler. Alors, je ne sais pas encore sur lesquels sports je vais aller, mais en tout cas, je vais refaire du multisport parce que c'est vraiment très physique et ça fait du bien de se dépenser. Après, à la fac, je ne sais pas encore. Franchement, est-ce que je continuerai à faire de la boxe? J'ai envie de faire de l'escalade, qui est très physique aussi. On dirait pas comme ça, mais l'escalade, t'as certaines parties de ton corps. Surtout, je pense au début. Après, peut-être que le corps est habitué, mais au début, ça pique. Mais voilà, tout ça pour dire que. Je suis très sportif, mais si un jour je suis prêt à Koh-Lanta, j'en aurai rien à foutre d'être très sportif. Moi, c'est, je vais tout jouer sur le social et la stratégie. Parce que je saurais qu'il y aura des gens beaucoup plus forts que moi, c'est obligé. Vu mon physique, c'est obligé que d'autres seront meilleurs que moi sur le sport, donc je ne miserai pas tout là-dessus. Alors que très clairement, dans mon club de multisport, je suis un des meilleurs. Hein. Sur les 3 ans, j'ai fait 2 fois premier au tournoi de fin d'année. Et cette année, j'ai fini deuxième. Alors qu'il y a quand même des gens individuellement et qui sont meilleurs que moi. Donc, techniquement, je suis quand même très bon. Mais je me vendrai pas là-dessus non plus. Maxime, 28 ans, livreur en vélo. Paris. C'est quand même le troisième Parisien, je crois. Deuxième ou troisième Parisien. Ce que Maxime déteste par-dessus tout dans la vie, c'est d'être pris au dépourvu. Bah là, mon pauvre, tu vas pas au bon endroit. Ce jeune livreur à vélo prévoit et anticipe tout. Il faut que ça roule. Il n'aime ni l'échec ni la faiblesse. Alors là, Koh-Lanta, c'est toujours pas le bon endroit. Passionné de survie, Koh-Lanta est un jeu pour lui. Enfin, pour lui, le jeu parfait. Alors là, on peut pas être plus d'accord que lui. Solitaire et réservé, sa seule inquiétude est la vie en communauté. Alors ça, j'avoue que c'est ma plus grande peur aussi si je vais à Koh-Lanta. Mais Maxime est prêt à forcer sa nature et à user de toutes les stratégies pour aller le plus loin possible. C'est quoi les commentaires? Timide et réservé. Ouais, parce que ça, c'est les raisons pour lesquelles Hugo s'est fait éliminer au bout de 3 jours ou 6 jours dans Koh-Lanta la légende. Hein. Mauvais social, paf, ça a dégagé. Mais effectivement, je suis d'accord que ma
Si je. De toute façon, quand il y aura les prochaines phases d'inscription, je vais m'inscrire, comme depuis plusieurs années. Mais pour moi, ma plus grande peur à Koh-Lanta, c'est la même chose. Hein. C'est la vie en communauté. Étant pas, enfin, je veux dire, je suis sociable quand les gens ils viennent vers moi ou ils sont des gens qui accompagnent mes amis et tout. Mais c'est vrai que dès que je suis seul, je suis fermé, je m'approche de personne, je parle à personne, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens que je connais pas. Et Koh-Lanta, t'es là, paf, avec une vingtaine de personnes que tu connais pas du tout, avec qui tu dois survivre et surtout faire des alliances dès le début, très très vite. Donc c'est vrai que c'est aussi ma plus grosse inquiétude. Hein. Si je devais un jour, je devais être pris à Koh-Lanta. Bref, en tout cas, profil assez intéressant, même s'il y a quand même plus de choses hein, qui vont contre lui qu'avec lui. Donc j'espère quand même qu'il passera une bonne aventure. Enfin, du moins qu'il aura passé une bonne aventure, parce que techniquement, son aventure, il l'a déjà faite il y a un petit moment. Mélissa, 35 ans, responsable dans un supermarché, dans le Var. À 35 ans, Mélissa est une maman au caractère bien trempé. En quelques années, la jeune Varoise a su s'imposer comme directrice de supermarché. Dans tout ce qu'elle entreprend, elle se donne corps et âme. Très fière d'avoir réussi sa vie de famille et sa carrière professionnelle sans l'aide de personne, elle est ambitieuse. C'est avec la même détermination. Purée, je veux, ok. Et la même assurance qu'elle arrive dans Koh-Lanta. Sa devise à vaincre son péril en triomphe sans gloire. Bon, ça elle est méga connu. Mélissa y prête en écoute. Bon, profil plutôt intéressant. On verra ce que ça donne. Même si les caractères trop forts, s'ils n'arrivent pas à se foutre dans la masse, ça peut piquer. Michel, 36 ans, responsable ressources humaines de Suisse, district de Lausanne. Donc ça fait deux Suisses dans la même saison. Enfin, c'est bien parce que lui il fait mi-Suisse, mi-Belge, parce qu'il est né en Belgique. En espérant toujours qu'ils représenteront mieux que les Belges de Pékin Express cette année. Michel est né en Belgique, issu d'une famille vietnamienne. Il a reçu une éducation qui est juste stricte et sévère, ce qui ne surprend pas. Celle qui a puisé sa force et son courage pour réussir dans la vie. Michel s'est construit une mentalité de compétiteur et a toujours besoin de repousser ses limites. Grand travailleur, il recherche pourtant la reconnaissance. À 36 ans, quoi de mieux que Koh-Lanta pour prouver son métier, son mérite et sa force de caractère. Pourquoi je dis son métier? Bref, en tout cas, profil plutôt intéressant. On verra ce que ça donne. Et normalement, je vérifie, hein, mais je pense qu'on approche de la fin. Ça en fait 3, 4, 5. Il y en a encore combien? Ok, donc quand on arrive à la Vanessa, c'est qu'on aura terminé. Ok. Donc normalement, on en était à lui. Tac, Nathanaël, 27 ans, chariste. C'est quoi un chariste? Enfin, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Bref, de la Loire-Atlantique. Sûrement de Nantes. Nathanaël est un garçon doux et d'une grande gentillesse, né au Mali mais abandonné à sa naissance. Il arrive en France à l'âge de 6 mois. Le jeune homme s'estime chanceux d'avoir été adopté par ses parents qu'il adore et qui lui rendent bien. Donc là, on peut jouer à nouveau sur un autre gars qui a vécu une tragédie. Préparateur de commande, il rêve de devenir steward et voyager de par le monde. Effectivement, préparateur de commande, le chariste c'est sûrement celui qui, avec des transpalettes et tout ça. Bref, c'est à peu près l'idée que j'avais, mais voilà, je préférais ne pas dire de conneries. Nathanaël veut participer à Koh-Lanta pour rendre fiers ses parents. Ok, ben, très, très bon profil. On verra ce que ça donne. Sarah, 32 ans, responsable merchandising, Loire-Atlantique aussi. Sarah est une maman accomplie et déterminée qui garde toujours le sourire et la bonne humeur malgré les difficultés. Après avoir géré les hospitalisations successives de ses deux parents, elle a appris à profiter de la vie à chaque instant et à ne jamais laisser aller. Ancienne basketteuse, elle sait jouer collectif, mais c'est la victoire que vise Sarah. Profil ouais, assez intéressant aussi, on verra ce que ça donne. Mais voilà, pas grand chose à dire sur ça. Sophia, coach sportive, 36 ans, Haute-Seine. Coach sportive et réserviste dans la gendarmerie. Sophia se définit comme une combattante au mental d'acier. Véritable machine de guerre sur le plan physique. Elle veut être une figure inspirante pour toutes les femmes. Oh, c'est assez ménard ces profils-là.
et surtout pour sa petite fille de 3 ans, l'amour de sa vie. Sophia a dû se battre pour imposer ses choix et rien ne lui fait peur. Son objectif, c'est d'abord la victoire, mais aussi les 100 000 euros pour offrir une maison à ses parents. Les profils comme ça, oui, moi je veux prouver aux femmes qu'on peut faire les choses, on peut. Ah, ça me gonfle. Au bout d'un moment, on le sait que les femmes aussi, elles peuvent faire. Il n'y a pas besoin qu'une femme vienne à Koh-Lanta pour montrer, regardez, moi je peux faire. Bon, c'est bon, on le sait. Hein. Alors, voilà, regardez. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, ça fait combien? 26. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. On va dire 32, parce qu'effectivement, j'ai compté la saison qui n'est pas encore diffusée. Sur 32 saisons, on a 14 femmes qui ont gagné. Bon, dont des femmes qui ont gagné, comme la saison 3, c'était deux femmes qui ont fait égalité. Jade qui a fait égalité avec un gars, bref. Et quand même, on a eu 14 gagnantes. 14 gagnantes de Koh-Lanta. C'est-à-dire que quasi la moitié des saisons ont été gagnées par des femmes. Et t'en as encore qui viennent en mode « Oui, nous les femmes, on veut prouver, machin, qu'on peut le faire, qu'on peut... » C'est bon, on a compris. Il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui ont gagné Koh-Lanta. Et en plus, ces dernières années, c'est quand même une majorité de femmes qui ont gagné Koh-Lanta. Donc, on le sait. On n'a pas besoin de ce profil-là. Alors, j'ai rien de spécial contre Sophia, mais... Les gens qui mettent ça en avant, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Thibaut, 34 ans, agriculteur, qui vient de la Corse. Thibaut est fier de sa Corse natale, de sa culture et de ses valeurs. Pour cet agriculteur, une parole est une parole et il y a un code d'honneur à respecter. Bon, on verra si tient. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à Koh-Lanta en mode « Oui, moi j'ai une parole, nanana », et puis qui n'hésitent pas à trahir s'ils peuvent... avoir une chance d'aller loin. Enraciné, il a grandi avec un véritable amour pour la nature. À travers Koh-Lanta, Thibaut veut rendre fier ses deux petites filles qui sont tout pour lui et représenter son île. Passionné de pêche sous-marine, il rêve de manier le harpon avec brio pour nourrir sa tribu. Alors, à voir s'il gagne le kit de pêche, s'il sera si bon que ça. Mais bon, le profil est plutôt intéressant. Et on passe à la dernière, du coup, Vanessa, 39 ans, danseuse de la Gironde. Donc, on se retrouve avec deux danseurs. Derrière sa voix douce et son air enfantin, bon, je trouve pas qu'elle ait vraiment un air enfantin, hein. Vanessa cache un tempérament de battante, une détermination qui lui a permis de devenir première danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Okay. Mère de trois enfants et chef d'entreprise à la tête de deux écoles de danse, Vanessa veut prouver qu'une ballerine est avant tout une sportive de haut niveau. Alors ça, personnellement, j'aurais jamais... douter que les ballerines n'avaient pas un très bon physique. Hein. Vu à quel point c'est dur la danse, d'ailleurs c'est même considéré comme un sport. Donc voilà. Motivée par toutes les personnes qui n'ont pas cru en elle par le passé, Vanessa veut montrer qu'elle résiste et qu'elle ne lâche rien. Bref, profil que j'aime bien. Attends. Je regarde les commentaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en commentaire là sur les commentaires, vous les verrez pas, c'est pour ça que je lis tous les trucs. Mais apparemment, c'est quelqu'un que je suis, en fait, que. Enfin, si c'est vraiment la personne mentionnée dans les commentaires, apparemment, c'est quelqu'un que, comme j'aime beaucoup suivre les danseurs, danseuses, c'est vraiment. Des gens en fait qui savent faire ce que moi je ne sais pas faire, ça me passionne. Et la danse, c'est vraiment un truc que je connais pas. Alors si je me lançais et que j'apprenais à danser, je pourrais danser comme tout le monde. Mais j'avoue que j'en fais pas l'effort d'apprendre. Mais c'est que ça me passionne et j'adore regarder des gens danser. Et notamment, il y a une danseuse qui s'appelle Vanessa que depuis, mais vraiment des années, ça doit faire au moins une dizaine d'années hein, que je suis une personne qui s'appelle Vanessa, je ne dirais pas le nom de famille. Bah alors si c'est vraiment cette personne-là, c'est un truc de fou que cette personne soit à Koh-Lanta. Vraiment. Bref.
Bah voilà, du coup, on a terminé, en tout cas, profil plutôt intéressant. En plus, c'est quelqu'un que je suis et que j'adore voir ses trucs sur la danse habituellement. Bah, globalement, je vais la soutenir plus facilement que d'autres. Bon. En tout cas, on va arrêter là avec le partage d'écran. Hop là, tac. Je vais juste checker le profil de la Vanessa en question. Bon, c'est bien qu'il me la donne direct. Ah ouais, c'est bien elle. C'est bien cette fille-là. Je crois que vraiment, je la suis, mais depuis des années. Ah ouais, mais c'est vraiment cette meuf-là. C'est un truc de fou. Attends, est-ce que... Non, y a pas un moyen de voir. Merde, c'est con. J'aurais aimé voir s'il y a des possibilités de voir, genre, depuis quand on est abonné à quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais ouais, j'avais pas vu le faux sur profil, mais ouais. En tout cas, ça fait des années que je suis cette femme-là sur Facebook, enfin, sur sa page Facebook et tout. C'est incroyable de se dire que maintenant, c'est dans Koh-Lanta que je vais la suivre. Un truc de fou. Bref. En tout cas, on a des profils très intéressants. Alors, il y a des profils, comme j'ai dit, hein, que j'aime pas trop, quand on est en mode de, oui, je veux prouver que les femmes machin. Alors, ça, c'est des profils avec lesquels j'ai du mal. Les profils sélectionnés par la production en mode de, oui, on veut absolument des gens qui ont vécu des tragédies, oui, on veut absolument des sportifs de haut niveau. Ça me dérange un peu. Parce que bah, Koh-Lanta au départ c'était quand même des gens un peu du quotidien, des gens d'un peu du part, alors, toujours un peu des gens qui aiment le sport, mais c'était pas au point d'aujourd'hui où tu es vraiment des sportifs de haut niveau, quoi, des gens qui ont fait des JO, des gens qui ont fait des championnats de France, des championnats du monde. Je veux dire, c'est plus les mêmes sportifs que au tout début de Koh-Lanta, quoi. Les mecs sportifs au début de Koh-Lanta, c'était des mecs qui allaient à la salle, c'était des mecs bon, bah, qui faisaient du sport en club. Mais qui n'étaient pas non plus des champions du monde ou quoi que ce soit. C'est plus vraiment les mêmes sportifs, quoi. Et du coup, j'ai un peu de mal avec ces nouveaux sportifs. Ça m'empêche pas de les soutenir, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment des très bons aventuriers et que j'aime bien suivre. Mais c'est vrai que quand même, ça ne m'aide pas totalement à les suivre. Côté ancien, je suis très très content de retrouver Frédéric. Moi, Frédéric, j'ai rien contre lui. J'ai même déjà oublié son aventure, donc ça va être très très cool de le redécouvrir. Après Hugo, j'ai rien de spécial contre lui. En fait, c'est juste les gens qui sont fans de Hugo qui m'énervent, en fait. Parce que les fans d'Hugo, ils sont fans de lui juste parce que bah, il a gagné plein d'épreuves dans Koh-Lanta, la légende. Sauf qu'à côté, bah, il a été nul en stratégie, il a été nul en social. Bon, survie, comme il a passé son temps sur l'île des bannis, bah, on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais juste parce qu'il a gagné des épreuves, bon bah en plus contre les premiers perdants c'est pas compliqué parce que les éliminés en général c'est les gens qui sont comme les plus nuls. Après effectivement contre des gens un peu plus forts il s'en est bien sorti, mais ce que je veux dire c'est que bah il n'y a pas vraiment de mérite avec Hugo. Si on a été dans une saison classique, le gars bah, il aurait été venu au bout de 3 jours et puis c'est bon, c'est terminé quoi. Enfin je veux dire, c'est ça que vous appelez un héros, je comprends pas quoi. Donc après, des gens sont oui, mais il a déjà gagné une saison. Mais en vrai, les trois quarts des gens qui sont fans d'Hugo ont jamais vu sa première saison. Donc au bout d'un moment, faut qu'ils arrêtent les gens, quoi. Bref. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette saison parce que le concept de la tribu maudite et tout, ça m'intrigue un peu. Et en même temps, bah, j'ai pas si hâte que ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, bah, Koh-Lanta, ça s'est terminé il y a à peine 2 mois. Et au moment où j'enregistre, ça fait même pas 2 mois. Donc, ça fera 2 mois dans 4 jours. Donc, vraiment, c'est trop récent pour moi. Je vais prendre beaucoup de plaisir à suivre une nouvelle saison de Koh-Lanta, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que là, c'est beaucoup trop tôt. En espérant qu'on n'aura pas une nouvelle saison à nouveau en février, parce que bah, là, si on a du mois d'août. Ça va durer donc à peu près jusqu'à octobre, je pense, fin octobre, début novembre, dans ces eaux-là. Si on renchaîne encore après au mois de février-mars, comme ça reprend en général avec Pékin Express, ça va commencer à faire beaucoup de saisons à la suite, quoi. Mais bon, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces profils.
lesquels vous intéressent le plus ou pas. Moi, je pense que du coup, le profil qui m'intéresse le plus, c'est celui de Vanessa, mais parce que c'est une personne que je suis pour son talent dans la danse depuis pas loin d'une dizaine d'années, même si bon, je connaissais pas ses informations privées sur elle, parce que bah voilà, ça me regarde pas les informations privées, mais voilà, du coup, grand plaisir de l'avoir à Koh-Lanta. Et bah pour les autres, n'hésitez pas à le dire. N'empêche, c'est peut-être la première saison depuis longtemps où il n'y a aucun Normand. Ça fait très bizarre de dire qu'on aura une saison sans Normand. Donc je peux pas me dire, bon, bah tiens, je vais supporter le gars de la région parce que bah, cette année, il n'y en a pas. Donc c'est un peu tristouné. Mais bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire deux choses en commentaire. Quels sont les profils qui vous ont le plus intéressé? Trois choses plutôt. Quels sont les profils qui vous intéressent le plus? Qu'est-ce que vous pensez du retour de Frédéric et Hugo? Et troisième chose, est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est trop tôt pour avoir une nouvelle saison de Koh-Lanta? Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.